Depuis le jour où j'ai enfourché une moto pour la première fois, je dois dire que je ne vois plus du tout les croisements de la même façon. Tout droit, à gauche ou à droite, et pourquoi pas faire machine arrière. Choisir une direction, c'est aussi renoncer à une autre. Et je suis assez convaincu que dans la vie, eh bien, c'est un peu pareil. Regardez, vous ne vous êtes jamais levé le matin en vous demandant si vous preniez la bonne décision ? Est-ce qu'elle pourrait engendrer de bon ou de mauvais ? Est-ce que le mauvais pourrait engendrer quelque chose de bon ? Quel que soit l'enjeu, je crois qu'il n'y a rien de plus excitant que de se confronter à l'inconnu, à quelque chose que l'on ne maîtrise pas. Rien de plus satisfaisant que de se dire que l'on a accompli quelque chose qui nous a rendu plus riches, plus forts. Et finalement, quel que soit le flacon, le plus important ne serait-il pas d'avoir l'ivresse ? De savoir profiter des petites choses qui nous entourent et des gens qui nous sont chers. C'est pour cette raison particulière que pour cet épisode 2, je vous emmène rouler là où je suis né, le sud-est de la France. J'aurai le plaisir de vous montrer deux spots que je trouve hors du commun. Rustrel et son Colorado provençal et Salins de Giraud situé au fin fond de la Camargue. Rejoindre Rustrel, ok, mais cette fois, je serai accompagné de mon pote Mathieu et de son acolyte Guillaume que j'ai appris à connaître à l'occasion de ce trip. Après plusieurs centaines de kilomètres pour arriver sous la chaleur de plomb d'Avignon, j'arrive enfin dans l'atelier de Mathieu. Sous ces airs de faux clown se cache en réalité un vrai passionné, un professionnel, un amoureux du travail bien fait. Après avoir fait des études de mécanique, travaillé pour divers patrons, Mathieu Volpi décide de voler de ses propres ailes en se mettant à son compte. Depuis maintenant quelques années, il passe de restauration d'anciennes machines à des préparations complètes. Son talent lui vaudra même un surnom bien particulier, le carburologue. J'ai aucun moment de ma vie où je me vois pas aimer la moto, si tu veux. C'est-à-dire que depuis tout petit, tout gamin, c'est moto, moto, quoi, tu vois. 2005 à 2007 et j'ai eu un maître d'apprentissage qui m'a vraiment transmis la vraie passion de la mécanique. Sauf que, bah, tu sais, les garages moto, ça court pas les rues. Chez nous, il y avait 4-5 concessionnaires dans le coin et un ou deux petits garages comme ça. Et puis, du moment qu'ils avaient leur mécano, tu vois, ça embauche pas, quoi. Donc moi, j'avais fait un peu le tour et il n'y a pas rien qui embauchait, quoi. Avant même d'être à mon compte, j'avais déjà refait quelques rampes de carbu, mais avec les moyens du bord. J'ai commencé à en faire une, puis deux, puis trois, puis quatre. Et puis le fait de mettre les photos comme ça, de toutes les pièces alignées et tout, tu vois, les mecs, je me rendais compte que ça leur inspirait énormément confiance. Carburologue, c'était quand même vraiment un métier qui existait dans les années 80, 90 peut-être. Il y avait des carburologues qui s'occupaient que des carbus. Et du coup, je sais pas, on a commencé à m'appeler comme ça. Et c'est vrai que maintenant, j'ai des motos qui viennent vraiment de loin, de 100 km à la ronde, même, juste pour une histoire de carbu. On m'envoie des rampes de carbu démontées déjà, on me les envoie de la France entière. Aujourd'hui, sur route, pour m'épanouir, en fait, il faut que je parte longtemps. Moi, j'ai deux passions dans la vie, hein, c'est la musique et la moto. Hein. Quand je suis sur une moto, je suis hyper calme. Je sais pas pourquoi, c'est comme ça. J'arrive vraiment à me canaliser en fait. Que ce soit sur route ou sur circuit, j'arrive à complètement me vider l'esprit. C'est ma thérapie un peu. Vraiment, je pense à rien d'autre en fait. I've been telling you, it's
nothing like it seems. It's what I've been telling. Après avoir pris le temps de bien manger, les garçons me montrent l'itinéraire qu'ils m'ont concocté pour l'occasion. Et je dois dire que j'étais assez impatient d'aller rouler avec eux. Départ d'Avignon, traversée des fabuleuses gorges de la Nesque et arrivée à l'endroit qui se fait appeler le Colorado provençal. Étant plutôt habitué à rouler seul, à chaque fois que je suis accompagné, je constate toujours à quel point partager la route peut être vraiment cool. Le plaisir de rouler dans la région où je suis né est particulièrement fort, et cette sensation de se sentir à sa place entre potes, ça n'a pas de prix. Nous arrivions aux portes des gorges de la Nesque, et j'ai eu alors le plaisir de découvrir sous un angle nouveau ces gigantesques ravins de pierre typiques de la région. Dans son livre « Mes origines, mémoires et récits », Frédéric Mistral dira « Cette Nesque s'engouffre dans une gorge anfractueuse et sombre et vient ensuite un point où le roc, brusquement et incroyablement, se cabre. C'est du rocher du cirque qu'il s'agit. Ni chat, ni chèvre, ni satyre, je vous en réponds bien, jamais n'y grimperont. » Eh bien, il faut croire qu'il avait en quelque sorte un peu tort, car au sommet, vous tomberez à coup sûr sur une famille de sangliers qui a fait de cet endroit son foyer et ne semble absolument pas effrayée par la présence humaine. Quoi qu'il en soit, je reprends la route avec Mathieu et Guillaume en direction du Colorado provençal. Il y a plusieurs millions d'années, la mer se retire, laissant derrière elle des bancs de sable enrichis d'une argile ayant pour particularité de contenir du fer. Le roussillonnais Jean-Étienne Astier eut l'idée, à la fin du XVIIe siècle, de faire passer le sable dans des bassins de décantation pour en extraire l'ocre. Il le fit ensuite cuire pour en garder les propriétés colorantes. 6 départements possédaient alors des gisements. Le Cher, la Drôme, le Gard, la Dordogne ou encore l'Yonne, mais aussi, bien sûr, le Vaucluse. L'arrivée du chemin de fer à Apt en 1877 permit l'exploitation intensive dans la région jusqu'au début du déclin en 1929. L'arrivée des colorants synthétiques vint progressivement concurrencer les ocres naturelles. L'exploitation des sites d'extraction s'arrêta peu à peu, laissant alors le site de production de Gargas, seul secteur encore en activité. Une association se forme alors, afin de sauvegarder le patrimoine exceptionnel de Rustrel. Et bien entendu, c'est toujours ouvert au public. Même si j'ai déjà visité cet endroit étant petit, je reste sans voix devant ce spectacle que je n'avais pas vu depuis plus de 25 ans. Lors de cette balade, les gars m'ont conseillé d'aller voir le Rose de Salin de Giraud, en Camargue. Vous vous souvenez de mon premier film ? Mais si, rappelez-vous. Je vous parlais des incroyables plages de Bauduc, un endroit un peu hors du temps où le camping sauvage était toléré, il y a encore peu de temps. Eh bien, figurez-vous qu'à seulement quelques kilomètres de là, se trouve un endroit assez fou que j'avais manqué à l'époque. En arrivant par la ville d'Arles, prenez la départementale D35 et vous passerez alors par ce que j'aime appeler le Bouche Camarguais. Marécages, plans d'eau, la réserve naturelle du Viguera
compte plus de 300 espèces d'oiseaux et s'étend sur une gigantesque surface de 919 hectares. Une ambiance sauvage très particulière se dégage de cet endroit. Et bien entendu, cet effet est vraiment décuplé lorsque l'on roule à moto. Et pour ajouter au côté atypique de ce trip, vous avez la possibilité de prendre un ferry au bac du Bas-Carin pour ce qui doit être certainement le trajet en bateau le plus court de France, qui vous permettra de traverser le Rhône en seulement 5 minutes, mais vous évitera aussi un détour de plus d'une heure pour rejoindre les plages roses de Salins de Chirault. Première fois que j'ai vu ces plans d'eau en photo, j'avoue que j'avais du mal à croire que je pourrais trouver quelque chose comme ça en France. Mais après quelques kilomètres, je suis arrivé face à un spectacle assez déroutant. Alors, vous devez certainement vous poser une question. Comment ces plans d'eau sont-ils devenus aussi colorés? Eh bien, c'est assez simple à expliquer. C'est ici même qu'est produit le sel que nous utilisons au quotidien. Son exploitation y est ancienne, mais c'est à la fin du 19e siècle que le village de Salins de Chirault s'est industrialisé lorsque l'ingénieur Henri Merle achète 8000 hectares de plans d'eau en vue de les alimenter en chlorure de sodium. C'est précisément la production de ce condiment autrement appelé l'or blanc de Camargue qui nous offre ces teintes hors du commun. Ces road trips n'auraient pas la même résonance si je n'avais pas le plaisir de raconter mes histoires aux gens que j'aime, et plus précisément à ma mère. Rien ne vous empêche de vivre une aventure aussi simple soit-elle, et se mesurer à soi-même est certainement la difficulté la plus intéressante à laquelle se confronter. Nous avons tous des limites différentes, des peurs ou des choses qui nous retiennent. Mais rappelez-vous que même si vous êtes moqué, que l'on tente de vous décourager, lorsque vous aurez obtenu votre victoire, elle n'appartiendra à personne d'autre que vous. Bon, et alors, quand est-ce qu'on repart ? Ça va ? Ouais, ça va, merci. Bon, ok. Sinon, petite question, vous savez par où c'est la Bretagne ? Bon, la Bretagne, vous allez par là. Mm-hmm. Et à peu près 1000 km sur la gauche, vous devriez commencer à voir la mer. Ok. Vous êtes sûr que ça va ? Parce que vous allez un peu perdu quand même. Plus maintenant. Bon, ok. Salut. À bientôt.